Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que je vais me gratter le cou. Non, c'est un jour merveilleux parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo de ce livre là. Si tu ne sais pas ce qu'est ce livre là, ce livre est un livre qui parle de bonheur, de pensées positives, qui va te permettre d'avoir plein de beaux souvenirs dans ta vie. Et c'est un journal à compléter tous les jours pendant 3 ans. Et en fait chaque jour le journal te pose une question, tu réponds à la question ou tu relèves le défi, parce qu'il y a aussi des défis. Tu fais ça jusqu'à la fin de l'année, à la fin de l'année tu reviens au début, tu refais ça, tu reviens au début, tu reviens, fais ça. Et après tu as 3 ans de pensées positives, ce qui est vachement chouette. Je ne sais absolument pas comment tout le temps où je m'étais arrêtée la dernière fois, mais genre ça me gratte. Pas un brin. Si peut-être ici. Alors normalement je m'étais arrêtée au 17 mars, mais je suis pas très sûre de moi. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, ou plutôt un nouveau soir, et c'est un soir durant lequel je vais te parler de ce merveilleux livre que j'affectionne très fort. Parce qu'il vient de mon cœur pour le tien, et ce livre c'est 3. Donc le 17 février, la question du livre était qu'est-ce que je n'ai jamais osé dire à ma mère. Cette question pour moi elle est difficile parce que comme beaucoup de personnes, je dis pas trop de choses à ma mère. Je dis rien d'ailleurs. C'est assez rare que je lui dise des trucs gentils ou des trucs d'amour ou machin machin. Il y a beaucoup de pudeur entre nous, c'est voilà, ça a toujours été comme ça, et avec mon père on n'en parle pas. Et donc il n'y a qu'avec mes frères et sœurs qu'on se dit qu'on s'aime en longueur de temps. Et donc cette question en fait je l'ai posée pour tous les gens qui comme moi n'étaient pas capables de dire les choses. Et je me suis dit peut-être soit ça peut ouvrir le débat, peut-être le livre il peut traîner quelque part pas loin de notre mère pour qu'elle le voit. Peut-être ça peut donner envie de parler à notre mère, ou peut-être juste ça peut faire du bien, je sais pas trop. Et moi ce que j'ai marqué, qu'est-ce que je n'ai jamais osé dire à ma mère? Que je l'aime et que je lui pardonne qu'elle a fait des erreurs, mais qu'elle a été une bonne mère. Voilà. Je suis pas une mère. Je serai probablement jamais une mère. Donc je sais pas trop comment ça marche d'être une mère. Mais ce que j'ai compris avec les années, c'est que les parents n'étaient pas parfaits. Bon, ça, tout le monde s'en rend compte un jour. Et que les parents faisaient beaucoup d'erreurs. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et qu'en fait on pouvait pas leur en vouloir toute notre vie des erreurs qu'ils avaient fait, parce qu'ils ont appris avec nous à être des parents, et que c'est normal de faire des erreurs, et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue. Et qu'en fait ce qui pour eux paraissait être la meilleure des choses à faire, avec le recul des années plus tard, ça paraît finalement comme être une erreur. Voilà. Donc on peut pas leur en vouloir, et leur en vouloir c'est comme garder une espèce de sac poubelle rempli de choses pas agréables. Et qu'on jette pas en fait, qu'on garde avec nous ad vitam aeternam, et ça n'a aucun sens. Le 18 février, l'odeur qui me rend particulièrement heureuse, c'est le beurre. Tu le vois normalement dans mes vidéos où je fais du manger, dans mes vlogs, j'adore l'odeur du beurre fondu. Et j'allais dire aqui no brasio. C'est marrant, mon cerveau pense en portugais. Je peux te parler portugais si tu veux. Aqui no brasio, eu adoro, adoro, adoro quando eu cozinhar. Et au cuisino, mais meu problema é que a manteiga de aqui é não uma manteiga normal. É normal, mas é não uma manteiga como a manteiga da França. E ele é não. Eu não sei como falar. Ele é não. Não sei. Ele sent pas como en France. Je pourrais dire. Il est nao tem uma odora comme na França. Et uma... Je sais pas si le mot odora existe, la vérité. J'invente tout le temps des mots au Brésil. Mas é como uma outra odora. Porque acho que o manteiga francês é uma especialidade da França. Tem uma grande saudade de a cozinha da França. Mas aqui é possível de comprar coisa da França, mas é muito caro, muito, muito caro. Por exemplo, uma manteiga é 20 reais. 20 reais é um pouco como 2,50 €. É muito caro. Sim. Mas agora eu vou falar francês de novo, porque... Aqui é meu canal francês, mas se você quer que eu fale de novo português, é possível para você? Não, é possível de falar? Pode ser. Pode ser? Não sei. Vai no meu canal português.
Ce que je disais, c'est que j'adorais le beurre et qu'ici le beurre sentait pas du tout comme le beurre français parce qu'il est un petit peu différent, ce qui est super bizarre pour moi. Et que je me suis rendu compte ici que le beurre, c'était vraiment une spécialité bien française. En plus, ici dans les magasins, on trouve du beurre breton demi-sel, il est merveilleux. Et que le beurre ici est très cher, il me coûte à peu près 2,50€ minimum, ce qui est vraiment cher pour le Brésil. 20 reals, c'est énorme. Un beurre normal, tu le payes. Un beurre brésilien, tu le payes à peu près 10 reals, donc la moitié. Et une margarine, c'est encore à peu près la moitié. Donc c'est vraiment, vraiment caro. Et caro, ça veut dire cher. Le 20 février, je reprends le carnet où j'ai noté tout ce que j'avais appris durant le mois. Qu'est-ce que je pense de tout ce que j'ai appris? Est-ce que je suis fière de moi? Alors, j'ai pas répondu pour deux raisons. La première, c'est que je veux vraiment le faire en vidéo. Je veux me lancer un espèce de défi pendant un mois de te dire tous les jours ce que j'apprends. Mais quand même, en même temps, je te fais des journaux. Alors, je sais pas si t'as remarqué, c'est un nouveau format sur ma chaîne depuis quelques temps que j'affectionne tout particulièrement. J'avais commencé avec le journal de règles, le journal du flux instinctif. J'aime bien cette histoire de journaux. Enfin, tu me connais. Tu sais que moi, j'aime faire des vidéos qui durent longtemps. J'ai des vidéos que j'ai commencé à faire il y a un an, que je finis maintenant, parce que j'aime avoir des plans, des impressions, des idées qui évoluent dans le temps et puis les mettre ensemble pour voir ce que ça donne. Je trouve ça vachement intéressant. Et du coup, pour à peu près tout ce que je vais apprendre au Brésil, il y a beaucoup de choses. Je t'ai fait une liste d'ailleurs qui est sur Instagram. Sur à peu près tout ce que je vais apprendre au Brésil, je compte te faire un journal, comme un journal d'expérience. Voilà. Et donc, je vais faire ce journal d'expérience. En parallèle, je voudrais faire ce défi-là d'un mois. Et en fait, ça, c'est le genre de choses et le genre de défi, le genre d'expérimentation que je vais te proposer dans mon programme sur le bonheur qui va sortir un jour. J'en parle dans chaque vidéo, 5 ans de réflexion ou 3 ans de pensée positive. Il va sortir. Je le construis dans ma tête. Et c'est à peu près ça fait partie des choses qu'on fera ensemble. Voilà, et j'aime bien. Et du coup, si je fais cette expérimentation sur un mois, ou même sur un an ou 6 mois, je pense pas que ce sera sur ma chaîne, mais ce sera plutôt un format pour mon programme. Voilà, je commence en fait à voir quel type de vidéo je veux mettre dans mon programme et quel type de vidéo je voudrais mettre sur ma chaîne. Il n'y a pas un truc genre... C'est mieux ce qu'il y aura dans le programme que sur la chaîne. C'est simplement que c'est différent, même si c'est pareil. Ça n'a aucun sens ce que je dis. En fait, dans ma tête, c'est clair. C'est pas la même chose parce que j'ai envie d'aller plus loin. Oh, je viens de postillonner, ça fait un... Je t'ai envoyé tout ce qu'il y avait dans ma bouche. Bref, faut que je change ma batterie. Je reviens dans une seconde. Ensuite, le 21 février, le livre me demandait est-ce que j'ai toujours mon âme d'enfant. Et j'ai répondu toujours, bien entendu. Et je ne compte pas l'abandonner, c'est une chance d'y être connectée encore. Alors j'avais fait une vidéo avec Carologie sur l'enfant intérieur, qui est génial. Faudrait que je te la retrouve, s'il te plaît, si j'oublie. Tu sais que j'oublie tout le temps, redis-le moi, je la mettrai dans la barre d'infos. C'est une vidéo très intéressante qu'a fait ma petite Carologie chérie, que j'aime très fort. Pour parler de l'âme d'enfant, je pense que c'est important de l'avoir toujours. Alors moi, on me dit souvent, en mode reproche, que je suis vachement une enfant, que je suis pas posée. Parfois j'ai l'impression que les mecs, alors peut-être pas les Brésiliens, parce que les Brésiliens ont quand même une âme d'enfant, mais j'ai eu l'impression parfois que pour les mecs c'était un problème. Alors j'ai pas expérimenté parce que j'étais mariée, mais les mecs que j'avais autour de moi, ils me disaient qu'ils pourraient peut-être pas avoir une meuf comme moi dans leur vie. C'est horrible. Parce que j'étais pas une femme, que j'étais pas posée, que machin. Ça m'est arrivé 2-3 fois qu'on me le dise, ce qui est pas beaucoup finalement sur les milliers de mecs qui ont dit qu'ils rêvaient d'être avec une meuf comme moi, ce qui est tout à fait faux. Mais pas qu'ils rêveraient pas, mais on me l'a jamais dit. Si tu rêves d'être avec une meuf comme ça, s'il te plaît, dis-le moi, ça ferait du bien à mon petit ego fragilisé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je pense que c'est bien d'être connecté à son enfant intérieur et d'être une enfant toute sa vie, de voir tout le temps le monde avec des yeux neufs. C'est ce que je m'efforce de faire toujours et ce que j'ai toujours fait. Je dis je m'efforce, mais en vérité, je fais pas trop d'efforts. c'est génial de pouvoir s'amuser. J'avais lu un truc un jour qui disait que la différence entre les chats et les humains, c'est que... Enfin, une des différences, parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'une, mais qu'une des différences entre les chats et les humains, c'était que les chats, ils étaient capables de s'amuser toute leur vie. Et que nous, au bout d'un moment, on arrêtait en fait de nous amuser sincèrement en fait. On avait besoin de choses extérieures pour s'amuser, mais de s'amuser simplement, on n'était plus capable. Je trouve ça hyper dommage. C'est merveilleux de pouvoir s'amuser de tout. Moi, je m'amuse de tout.
Moi je suis une enfant, j'assume. Est-ce qu'un jour je trouverai un mec qui aimera les femmes qui sont des enfants? Seule la vie c'est pour l'instant c'est compliqué. Non en fait j'ai pas envie de mec. Le 22 février, je décide d'être particulièrement gentille aujourd'hui avec une personne qui normalement m'agace. Qui? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle a été sa réaction? Et qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors dans mon cas, je suis gentille avec tout le monde, il y a personne qui m'agace en vérité. Et donc j'ai dit que j'avais pris plus soin que d'habitude de ma petite Mara Chérie. Donc ma petite Mara Chérie que tu connais, qui apparaît de temps en temps dans mes vidéos, mais très peu parce qu'elle veut pas trop être sur internet. Alors je lui fais la misère pour qu'on fasse des vidéos ensemble et qu'elle veut pas. Ma petite Mara Chérie, c'est une Allemande que j'ai rencontrée dans une auberge il y a plein de mois en arrière et on s'est jamais séparés. Et quand j'ai pris une maison, on l'a prise ensemble. Et là elle quitte bientôt la maison du bonheur pour retourner en Allemagne. Et donc j'ai pris plus soin d'elle que ce que je prends d'habitude. On prend soin l'une de l'autre mutuellement et ça c'est vraiment chouette. C'est une des rares personnes avec lesquelles je peux vivre tout le temps. Et en fait, elle fait tellement partie des meubles. Elle est un peu comme, c'est un peu comme Sunita, c'est différent. Sunita pour moi fait partie des meubles. Elle aussi fait partie des meubles parce qu'en fait, si elle est là ou si elle n'est pas là, c'est pareil. Mais dans le bon sens du terme. Il y a des gens, tu sais, leur présence peut te déranger. Ben, ces meufs, c'est des meufs de qui la présence me dérange pas. Bref, c'était pas la question. Pourquoi j'ai fait cette question-là? C'est parce qu'en fait, parfois on est agacé par des gens, par des petits trucs qu'ils font, par leur attitude, par qui ils sont, par des trucs qu'ils ont dit, machin, machin. C'est quelque chose qui reste. Et je trouve que c'est dommage parce que ça envoie des énergies qui sont pas très positives. Et puis, quand on travaille avec ces gens, quand on les voit au quotidien, je trouve pas ça bon en fait et pas ça très sain. Et je me suis rendu compte avec l'expérience, le peu de mon expérience, tu sais que j'ai que 22 ans plus 12, et avec ma petite expérience, je me suis rendu compte que si on prenait le temps de discuter avec ces gens-là, de comprendre machin, qu'ils étaient, pourquoi ils étaient comme ça, et leur parcours, et juste de converser, ben on se rendait compte que ces gens-là, en fait, c'était des gens super. Alors, ça peut arriver qu'on tombe sur des cons, ça arrive, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais même les cons, ils ont des trucs intéressants en eux en fait. Et c'est juste que pour une raison X ou Y, il y a un truc de leur sensibilité qu'on n'aime pas. Et que peut-être n'aiment pas de nous. Et ça marche pas et c'est pas grave. Mais ça veut pas dire qu'ils sont cons sur tout. Bon, ça peut exister des gens qui sont cons sur tout. Ouais, la vérité, ça existe. Mais il y en a pas beaucoup. Ce que je voudrais te dire, c'est si tu peux, prends juste le temps d'essayer d'aimer des gens qui ne sont pas de prime abord aimable. Ça c'est un truc que je faisais beaucoup dans mon ancien magasin. Tu sais j'avais un magasin de téléphone et en fait les gens venaient tout le temps pour se plaindre. Ils étaient fâchés parce qu'ils avaient eu des problèmes avec leur opérateur, avec leur portable, leur machin. Et le seul être humain qu'ils voyaient, c'était un problème avec YouTube, non avec pas Google, avec Orange, j'oublie les trucs de France. Avec Orange, le seul interlocuteur que tu vas avoir en vrai, c'est la vendeuse ou le vendeur de ton magasin. Le problème, c'est que la vendeuse ou le vendeur n'est pas responsable des problèmes que tu as parce que ça vient de ton opérateur. On s'en fout. Bref, toute ta négativité, ta haine, ton énervement, tu vas le mettre sur cette personne. Et des fois, t'es une grosse tête de con. Pardon de te dire ça, mais ça arrive. Je le suis parfois quand même. Je le suis parfois aussi. Et donc, moi, toute la journée, je me tapais des têtes de con qui venaient dans mon magasin pour marronner. Et ben, quasiment tous les gens qui venaient dans mon magasin repartaient avec le sourire et on se faisait un câlinou avant qu'ils partent. D'ailleurs, petite parenthèse, je dis tout le temps câlinou. En France, câlinou, c'est pas genre un mot normal, c'est un mot un peu de bébé. Câlinou, câlinou, câlinou. Ici, pour dire câlinou, câlinou. Le Brésil, c'est mon pays, mec. Le Brésil, c'est vraiment mon pays. Je referme la parenthèse. En fait, j'essaie d'identifier pourquoi ces personnes étaient comme ça, qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie, s'ils avaient des problèmes, machin, de parler avec eux de leurs problèmes, d'enlever un petit peu la pression et après d'apporter quelque chose de positif, de focaliser sur autre chose et après leur donner de l'amour. Et je te promets que les gens repartaient toujours avec le sourire dans mon magasin quand on se faisait des câlins, des bisous, machin. Et souvent, je me rendais compte qu'en fait, les gens avaient un problème de téléphone, mais qu'il y avait un autre problème derrière. Il y avait des problèmes de divorce, de gens malades, des problèmes familiaux, des problèmes... Franchement, la vie m'a envoyé beaucoup de gens qui avaient des problèmes. Il y avait un de mes clients, il s'est coupé un doigt au travail. Et sa femme était venue dans mon magasin. J'avais une autre de mes clients, son mari avait eu un grave accident. Et en fait, il se supportait pas. Il était super handicapé par cet accident. Ils se supportaient pas, mais ils vivaient ensemble dans le même immeuble, pas dans le même appartement.
Et j'étais là quand il est mort d'ailleurs. Enfin, j'étais pas physiquement là, mais elle est venue me voir quand il est mort. J'ai eu un client qui s'est fait amputer d'une jambe. J'ai eu un client qui avait qu'un seul bras. J'ai eu beaucoup de gens à qui manquaient des membres. J'ai eu un client qui avait qu'une seule jambe. Il s'était fait manger la jambe par un requin. C'est la vérité. J'ai eu un client qui avait pas de main. Putain! J'ai eu trop de gens. J'ai trop de gens, la vie m'envoyait trop de gens à qui manquaient des membres ou des gens qui avaient des gros problèmes. Oh my god, le mec à qui manquait une main. Non! Lui manquait les deux mains. Oh my god. Il manquait les deux mains. Et en fait, je me souviens quand il est arrivé dans le magasin, je regardais ses mains en plastique et je lui dis, mais non, j'ai eu deux mecs à qui manquaient des mains. Putain, j'ai eu un mec qui avait une main électronique et un mec, il avait pas de moignon. Il avait pas de doigts, il avait que des moignons. Dans un petit magasin de Martigues, une petite ville. Et tous les estropiés de la région sont venus dans mon magasin. Et c'était trop bien. Parce que on pouvait discuter de tout. Et c'était hyper normal. Et le mec qui avait que des moignons, il avait pas de doigts. Quand il est venu dans mon magasin, je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas de doigts? Je sais, je suis horrible. Il n'y a pas de volonté, de mauvaise volonté quand je fais ça. Je suis une enfant, je dis ce que je pense. Et on a trop rigolé. Et en fait, il était génial. Parce qu'il m'a expliqué qu'il avait non plus pas de jambes. Il n'y avait pas de doigts et pas de jambes. Il y avait des prothèses. Et qu'en fait, quand il était dans le ventre de sa mère avait eu une maladie qui avait arrêté la croissance de son bébé. Et donc, les doigts et les mains et les jambes n'ont pas poussé. Et il me disait, t'imagines, j'ai pas de doigts, j'ai pas de jambes. J'ai eu une femme magnifique. La vérité, il m'a montré des photos. Ça me fait des magnifiques. Et je l'ai trompé avec une autre femme magnifique. Il a divorcé. Il était génial. Tous les gens étaient géniaux. Bref, c'était pas la question. Faut être gentil avec les gens. 23 février, ce sera la dernière question parce que je parle beaucoup. La dernière fois que j'ai embrassé un bébé. Oh, je pensais à ça. Rio, c'est une ville magnifique, mais ici, les enfants sont un peu sauvages. En fait, pas les enfants des favelas. Les enfants normaux. Oh, je peux pas dire les enfants normaux. Oh, dégueulasse. Il y a des choses dégueulasses qui viennent dans ma bouche. Pardon. Je pourrais couper ça pour faire genre la meuf qui se manque pas quand elle parle, mais en vérité. C'est très facile de dire de la merde sans faire exprès. Je disais normaux dans le sens qui ont une vie normale. Mais c'est pas bon en fait de parler comme ça. Pardon. Les enfants, pas des favelas. Eux, ils sont hyper sauvages. À Rio, si tu leur parles, ils te calculent pas. Ils viennent pas vers toi. Ils s'en battent les steaks de ta vie. Les enfants des rues, pareil. Ils en ont rien à faire de ta vie. Et pour moi, c'est très bizarre parce qu'en Amérique latine, les enfants sont hyper câlinous. Et les enfants te font des gâtés en permanence. Mais ici, à Rio, non. Je pense que c'est parce que Rio est une ville où les gens sont très centrés sur eux-mêmes et très égoïstes. J'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Et je pense qu'en fait, ça vient de leur éducation. Ils ont une éducation qui les rend égoïstes. Et après, ça fait des adultes égoïstes. Bref. Dans les favelas, c'est très différent parce qu'en fait, les enfants manquent terriblement d'affection, soit parce que les parents sont hyper jeunes, les parents ils ont des enfants à partir de 14 ans, donc les parents sont hyper jeunes, soit parce que les parents travaillent, soit parce que les parents ne savent pas s'occuper de leurs enfants, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, bref, ils manquent d'affection, ils sont beaucoup dehors, et du coup, eux, ils te donnent de l'amour, mais la vérité, les enfants de Rio, non. Et moi, ça me manque, les enfants, parce que j'étais une tata d'à peu près, je crois, 8 petits quand j'étais avec Farid. Ma soeur a 2 enfants aussi, donc je suis une tata d'à peu près 10 petits. J'ai toujours eu des enfants autour de moi et j'adorais mon statut de tata. C'était une énorme fierté pour moi d'être une tata. Et d'ailleurs, les petits, je demandais à ce qu'ils m'appellent pas Laetitia, mais à ce qu'ils m'appellent Tata Laetitia. C'était important. Et quand Farid et moi on s'est séparés, un des trucs qui m'a beaucoup touchée, peut-être le second truc qui m'a beaucoup touchée dans ma séparation, c'est la coupure, la perte de ma famille du côté de Farid et notamment des enfants. Depuis que je voyage, j'ai moins ce contact avec les enfants. Je l'ai eu en Asie, je l'ai eu en Inde beaucoup. Je l'ai pas ici, ça me manque énormément. J'ai un besoin de faire des bisous à des enfants. Voilà. Donc c'est ce que j'ai marqué. Ah bah exactement. J'ai besoin, il faut que je me reconnecte à des enfants. D'autant que potentiellement je serai jamais une mère, donc j'ai besoin d'avoir des enfants dans ma vie qui sont pas moi. Voilà, hors contexte c'est un peu bizarre de dire j'ai besoin d'avoir des enfants dans ma vie qui sont pas à moi, mais c'est la vérité.
Voilà, on restera sur cette note un peu bizarre des enfants. Si tu as des enfants que tu passes à Rio, laisse-moi leur faire des bisous s'il te plaît. J'ai besoin d'affection d'enfant. Je te fais des gros bisous. Et si tu te demandes où je suis au YouTube Space de Rio, d'où ce décor magnifique et cette lumière qui fait de suite une vidéo ultra professionnelle, ce qui n'est pas habituel sur ma chaîne. Ne t'habitue pas. Bisous. Ciao. Je pars à coup. Ciao. Descobre vagas.